Yes, pour la suite, nous avons en chanson Yorei Tofa, le groupe Kourou. Ensuite, interview avec Théo Wijkland et un tuto avec Fred GDMT. À toutes. Yorana tout le monde. Je me présente Tofa Yorei et je suis chanteur-compositeur du groupe Kourou. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de nos compositions qui s'intitule Tofu Fenua, chanson que j'ai écrite l'année dernière pour notre Fenua, pour la beauté de notre Fenua. Donc cette chanson, je l'ai écrite sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Et pour raconter un peu la petite anecdote, je voyais des gens passer sur la route devant notre jardin. Et ce jour-là, ben, ils ont balancé des détritus dans notre cour. Et à ce moment-là, j'ai pensé à mon arrière-grand-mère. Je me suis dit, ils nous ont laissé un beau Fenua, nos arrière-grands-parents, nos Tupunas. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ben, notre jeunesse est là à la détruire. Donc cette chanson-là, c'est un message à notre jeunesse. Pas qu'à notre jeunesse, même à nos parents. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ben, c'est un message d'espoir et de sensibilisation afin de pouvoir donner à nos enfants de demain ben, une belle planète. Donc voilà, tout finouin pour vous. Tou finua, atua tuhia e tou mau tupuna. Tou finua, o puruhia e tou na mau metua. Ai tarati tatai ti tau, i paruru iana. Ai tarati nuna ai ti dau i poi hiriana iri o tie mutifa ite itiravi ino ato ti aune ere o tie te faa feruri i te mauta ata no to te au ne to u finua to u finua te ananahi no te mauta ma to u finua to u finua te ura mau no te o tatua tou finua, tou finua, te anahi no te mautama. Tou finua, tou finua, te ura mau no te o tatua. Chanson Tofu Fenua pour vous, la Polynésie et pour la planète tout entière. Maruru, c'était Kourou pour vous. Aboulala! Yorana Théo, bienvenue dans ce e-festival. Yorana Liza. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire qui tu es, d'où tu viens et de quoi tu vas nous parler? Oui. Alors, moi c'est Théo. Je suis étudiant en doctorat dans l'urbanisme et le management du territoire. Je viens des USA, mais j'habite à Tahiti, à Pier Hei. Je vais parler aujourd'hui en fait sur le sujet des modes de déplacement et la durabilité. Et par exemple, si tu te déplaces en bagnole, tu sais ce que ça fait, ça consomme de l'essence, ça pollue, ça émet des gaz à effet de serre. Et c'est pas seulement ça, ça émet de la chaleur. Par exemple, ça a besoin d'une grosse route et cette route, ça va attraper la chaleur du soleil. Ça va aussi, la bagnole en elle-même, ça va émettre de la chaleur. Tu additionnes ça sur toutes les bagnoles, ça fait beaucoup de chaleur. Et donc, peut-être c'est trop chaud, c'est pas agréable pour les gens de se balader tranquillement pour de route, ou même prendre un vélo. Peut-être quand tu es dans ta bagnole, tu penses à arriver au boulot, tu penses pas à ton environnement, tu es dans ta clim, tu penses pas à la chaleur qui est dehors. Donc, tu es éloigné de ton environnement, en fait, à cause de ton mode de transport. Plus en bagnole qu'en scooter, plus en scooter qu'en vélo,
plus en vélo que à pied. Si tu es à pied, peut-être que tu ressens la douce semelle de tes baskets au lieu de ressentir la terre, ce que tu remarquerais si tu étais pieds nus. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus? Bah, en fait, c'est que le mode de transport, ça a un lien avec ce que tu ressens. Ça a un effet sur ce à quoi tu penses, tes façons de penser, même tes façons d'imaginer. Et ça a aussi un effet sur les autres qui habitent dans ton quartier, les autres qui habitent au bout du monde, les autres qui ne sont pas en grand nez. Et en fait, c'est super difficile. Mais le problème, c'est que ce n'est pas facile d'arrêter non plus la bagnole. Je ne vais pas te dire, arrête la bagnole, prends le vélo, parce que toi, tu habites à la presqu'île, tu bosses à Mataïa. Les autres, ils habitent en hauteur à Marina, ils bossent en ville. Ce n'est pas pratique, tu vois, tu vas être sur ton vélo aux heures de pointe, entouré de bagnoles, il fait chaud, tu vas arriver épuisé, couvert de transpiration, avec ton linge tout sale. Et sur le retour encore, espérant que tu ne te fais pas percuter par les gens qui sont à vitesse pour entrer ou après le boulot, ou après tu vas faire la montée en vélo, enfin, c'est super dur. C'est possible si tu es très très déterminé, mais le problème c'est que notre système de transport, c'est lié avec nos systèmes économiques, sociaux et culturels. Et si tu essaies de changer les systèmes de transport sans changer les autres systèmes, c'est super dur. En fait, j'ai passé l'année dernière, j'ai passé un peu de temps à Maupiti. C'est une île à l'autre bout de l'archipel, pour ceux qui ne connaissent pas. Là-bas, en gros, les gens ne se dépêchent pas. Tu vois, si tu as besoin d'aller quelque part, bon, tu quittes la maison, mais tu ne te dépêches pas. Et peut-être sur la route, tu croises quelqu'un que tu connais, et donc tu t'arrêtes, et tu causes avec lui. Et peut-être que cette personne te propose de prendre un café, et alors tu prends un café. Et bon, fini le café, peut-être que tu continues sur la route, ou peut-être que tu allais aller à la poste, et maintenant la poste sera fermée, donc il est trop tard, tant pis. Ou peut-être que tu allais aller au boulot, et maintenant, ton boss ne sera plus là, donc tant pis, tu ne peux pas y aller, tu fais demain. Mais ça, c'est sûrement possible si nos valeurs sont d'accord. Par exemple, il faut que ton boss, il sera d'accord que tu n'y arrives pas. Il faut que ce ne soit pas trop urgent ce que tu allais poster. Il faut que les gens ne vont pas être trop fâchés que tu te stationnes sur la route. Il faut que toi, que tu valorises plus tes expériences que tu vis dans le moment, y compris lors des déplacements, plus que l'argent que tu pourrais gagner si tu te dépêches. Et alors, il faut qu'on s'interroge sur nos valeurs de consommation, d'impatience, de l'idée qu'on est des individus qui peuvent se séparer de notre environnement, de la Terre. Et il faut aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on valorise les autres. Tu vois, qui a le droit d'habiter où? Qui sera rémunéré 1000 fois plus que notre? Qui mérite l'effort d'être salué? Il y a Rana qu'on en voit sur la route. Enfin, on n'est pas des robots. Il faut qu'on réfléchisse sur ces valeurs et il faut qu'on transforme en fait nos valeurs, sinon on ne sortira jamais de cet enjeu de transport non durable. Merci beaucoup pour ce témoignage, ce beau témoignage, Théo, et on te dit à bientôt. Merci, Liza, à bientôt. Bonjour à tous, alors je suis Fred et je vais vous présenter en cette période de confinement une petite activité qui est très, très sympa à faire et plutôt simple, avec des outils simples. Voilà, nous allons faire un mandala à l'aide d'un simple rapporteur, une règle, un petit compas, une gomme et un crayon à papier. Voilà, ma gomme un petit peu spécifique, c'est une gomme stylo, ça lui permet d'être un peu plus précise, mais on peut utiliser une gomme normale en la découpant avec un petit cutter. Voilà. Ici, nous avons les 4 étapes principales du mandala. Nous avons le traçage de base, hein, pour faire comme les règles, comme les traits sur un cahier. Ensuite, le début des formes que l'on souhaite créer avec les petites pétales. À l'aide du stylo Bic, on va tracer ensuite. Et pour finir, on va remplir et avec les petits ombrages, etc. Voilà. Donc la première étape va être, à l'aide de mon rapporteur gradué, de noter le centre, de commencer à faire mes traits de marquage et à tracer le trait.
le premier cercle. Voilà, donc une fois que j'ai tracé ma base, je vais faire des ronds à l'intérieur de manière totalement aléatoire, car le mandala est un dessin que l'on imagine au fur et à mesure. Je fais des traits comme, hop, comme bon me semble. Une fois que j'ai ma base, comme si j'avais un cahier pour écrire, je vais commencer à faire mes pétales du mandala en commençant du centre pour aller vers l'extérieur. Et donc je vais agrandir au fur et à mesure ma fleur. Voilà, par exemple, j'utilise une règle pour faire des traits. Des traits droits, comme ça je m'aide. Voilà. Et avec ces traits, je peux mettre des points au niveau de traçage pour pas me tromper. Et je vais toujours utiliser là où il y a une pétale qui va être en bas, je vais faire une pétale qui va être en haut. Voilà. Là, peut-être à l'aide de mon rapporteur, je peux faire des pétales courbées. Comme ça. Hop. Et lorsque je vais reproduire ce schéma, il va se former une fleur. Voilà, donc j'ai fait mes pétales à l'aide de l'angle arrondi de mon rapporteur et je peux remplir à chaque fois dans les petits creux, refaire des petites pétales pour multiplier et donner un effet plutôt sympa. Une fois que j'ai fait ça, je vais le continuer. Et après, je vais faire mon traçage et gommer les traits de base pour faire ressortir les pétales. Voilà, donc là, j'ai fait ma partie en noir. Hop, je vais commencer à faire des petites pétales à l'intérieur pour donner du contraste. Voilà, on voit ici que j'avais les traits de traçage que là, j'ai enlevés et qui me donnent donc du coup des pétales différents. Voilà la petite dernière partie où je remplis avec mon stylo noir en faisant des petits traits pour donner des effets ombrage ou alors ce petit type de coloriage où je colorie les pointes et après je fais des petits points de plus en plus écartés pour pouvoir donner un effet de contraste. Voilà, vous avez ici les différentes étapes. N'oubliez pas de dessiner toujours dans la petite partie où vous êtes le plus à l'aise. Moi, par exemple, c'est ici car je suis droitier, donc j'ai mon mouvement qui est plus naturel ici plutôt que de dessiner comme ça. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter ou sur ma page Facebook, Fred GDMT. Voilà, je vous souhaite un bon confinement et prenez soin de vous. On se retrouve cette fois-ci pour une table ronde préservation. Préservation des ressources, préservation des cultures aussi, hein, puisque avec nos quatre prochains invités, on va justement découvrir que ici, en Océanie, en Polynésie, nature et culture sont quelque chose qui sont liés. Quatre personnes, une première, Gisèle Moina-Tromer, qui va vous emmener un petit peu en balade, parfois des balades même un peu plus complexes, mais surtout culturelles. Elle va vous en dire plus sur son parcours de vie. On aura aussi l'occasion d'échanger avec François Briand, qui lui bien, va vous parler de biomimétisme. Tiffany Letam, qui va vous amener dans son île magnifique de Rapa. Et puis Jonathan McEttrick, hein, qui lui va vous en dire plus sur un patrimoine à nul autre exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une tradition, celle du Poufénois. Ben, nous en dire plus. Alors, Gisèle, un parcours de vie un petit peu atypique et c'est justement ce parcours qu'elle va nous expliquer. Je ne vous délivre pas tout, je vous la laisse découvrir. Gisèle, c'est à toi. Ok, Yorana, bonjour tout le monde. Parcours atypique, oui, juste une enfant de Fénois en fait qui a été femme, qui est revenue et qui aime son Fénois plus que tout. Suite à un accident de vie, je suis partie en montagne et donc suite à ça, ben j'ai voulu devenir guide de montagne. Donc j'ai fait une formation guide de montagne et après j'ai fait une formation guide touristique à l'université. Et là, mon cœur est plus fort que tout. J'ai écouté et je remercie les tables rondes précédentes. J'ai retenu des choses, la respiration, hein, merci Véloise.
J'ai retenu E plus R égale O, donc pour objectif. Durant ce confinement, en fait, j'ai juste laissé ma plume écrire et laissé mon intérieur surgir. J'en tremble, hein. Bon. Ok, c'est Reva. Et tau mei te ie, tau no te hi o imua. O to utamahine here ane, nana bhaya, ifa ite meyau. C'est le temps de la maladie, le temps pour le rechercher, de voir l'avenir. C'est peut-être elle, ma fille, qui va pouvoir vous le montrer, me montrer à moi. Ta viri viri, fea noa roto ito upo, ça tourne encore dans ma tête. To o hinaro noa e fa ite. Ce que je veux dire, c'est vous montrer. O te here, o to ufe noa. Noa tu e ravehia o e te here et it. Te iti o te whenua o verama, l'amour de notre terre, de nos mères, même si on te prend pour aller chercher le savoir d'ailleurs, ei tai rav ei, ce n'est pas suffisant. Noa tu e haere o e iti te ite, i roto i te mou, mou o e te mou tupuna, même si tu vas chercher les connaissances anciennes dans nos montagnes, ei tai rav ei, cela n'est pas suffisant. To u Haupo irotoite ye oire, mon asthme dans cette ville. Teiti, autant n'imparo, du peu que elle est dit. Ta viri viri noa, to upo, ma tête me tourne. Watano hiya to o epito, irotoite ye fenua. Ton nombril a été planté dans cette terre, dans notre île. Noa tu. Ce petit nombril dans cette terre, terahi ote ito oe natura, plus grand tu es, plus grand est ta plantation. Ta viri viri noa e feia noa iroto ito upo o, ça tourne dans ma tête, te ye iti pito hei hei iroto ito upo o, ce petit nombril dans cette tête. Wapueya tuti mana, c'est de plus en plus grand ton aura. Ta viri viri noa ito uroto, uroto ito upo, ça tourne encore dans ma tête. Te hina ura e wo e faite, ce que je veux dire et vous montrer. Te here ito u fenua e yarhe, l'amour de notre terre. Te pue te mo mama o te vahine taiti, la force de ces mères, de nos tahitiennes. Et Heri, te finua et te mon mama, l'amour de notre terre et de nos mères. Noa tu e ravehia oe, heire iti, te finua e uvirama. E aitai rav ei, te iti o tana paro. Ma tête me tourne le peu dans notre terre. Ah. Ite pue a toi te mana, te iti to oe ite, le peu de ton connaissance. Et te iti te fenua, ce peu de terre, te rahi o te tanur a, le plus grande plantation tu peux avoir. Rahi roa to oe, operer a plus, tu pourras distribuer. Retenez son nom, Gisèle Moana Trommer, la possibilité de la retrouver également sur Facebook. Que tu puisses partager ton orero avec d'autres personnes. François, je pense qu'il y a une phrase qui résume tout ce que tu vas nous expliquer. C'est une phrase de Léonard de Vinci, c'est « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». François, c'est pour toi. Merci beaucoup Pascal. Je vous propose de commencer mon petit 5 minutes par une balade dans le massif corallien, parce que c'est là que finalement m'est venue cette idée de monter… Institut de biomimétisme. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont l'occasion de se balader au-dessus des récifs, soit en pâle masque tuba, soit en plongée bouteille, mais c'est quelque chose qui m'a fortement marqué quand je suis arrivé au Foniwa, et de voir à la fois cet ensemble de découpages, de structures très très fines parfois, très très robustes à d'autres moments, et de voir aussi l'ensemble de l'habitat que ce récif corallien représente pour des milliers d'espèces différentes, aussi bien des poissons tropicaux, des requins, des raies, des tortues, c'est juste fascinant. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'observais ces récifs avec mon ami Fred, qui est aussi cofondateur de l'Institut de biomimétisme, beaucoup de flashs, beaucoup d'inspiration et d'idées d'innovation qui me venaient.
Et en fait, il se trouve que ce principe d'innover en observant la nature s'appelle le biomimétisme, et il est de plus en plus utilisé. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent partout dans le monde, en France, aux États-Unis. Et on voit en particulier que le côté inspiration par le milieu marin prend de plus en plus d'importance. Je voudrais juste vous citer quelques exemples d'innovations inspirées, en particulier du récif corallien. C'est une jeune entreprise, une petite start-up qui commence à être connue maintenant dans ce monde de l'innovation bio-inspirée et qui a créé en fait une nouvelle façon de produire et de fabriquer du ciment qui habituellement, lorsqu'on fabrique du ciment dans un modèle industriel classique, pour chaque tonne de ciment produite, on produit à peu près une tonne équivalente de CO2. Alors que ce procédé qui recopie la façon dont le corail produit justement cette structure, ce côté ingénieur du récif, eh bien, au lieu de produire du CO2, il en absorbe. Et l'élément de base de ce procédé, c'est finalement de procurer des eaux et des airs très chargés en CO2. Et le procédé va débarrasser le CO2 de ces eaux et de ces airs. C'est juste un exemple pour vous montrer le lien permanent que l'on peut faire entre l'observation d'un récif et les idées qui nous viennent. Notre responsable du pôle design, Alizé Gérard, qui a vécu très très longtemps en Fénois, qui travaille en ce moment en France, mais qui y revient régulièrement, a aussi développé un concept inspiré aussi du récif qui représente un peu sa vision d'une ville, d'un quartier, de ce que pourrait être la vie de demain dans un modèle urbain, et qu'elle a baptisé le récif urbain, qui est totalement là aussi du récif corallien. Et nous-mêmes, les quelques personnes ayant créé cet institut, travaillons aussi avec le CRIOB, avec Laetitia, qui est aussi Laetitia Edouin du CRIOB, qui est une des cofondatrices de l'institut. Et nous sommes en phase finale de test d'un nouveau modèle de nursery corallienne, donc ces structures qui permettent d'aider les bébés coraux à pousser rapidement et avancer vite dans leur croissance pour pouvoir être ensuite reposés à des endroits stratégiques pour restaurer le lagon, eh bien, on est en train de tester aussi des modèles. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce récif corallien que tout le monde trouve merveilleux et aussi trouve bien souvent en danger, ce qui est le cas par le réchauffement climatique et par les périodes de blanchiment qu'on peut observer, il est en danger, mais si on prend la peine de passer du temps, de l'observer, de le regarder sous l'aspect justement par la respiration que les palmes ascutuba ou les bouteilles nous permettent de faire, ou de prendre le temps de l'observer, et surtout d'observer aussi son écosystème, l'ensemble des habitants qui l'occupent, eh bien on peut trouver des idées d'innovation, aussi bien dans les formes, dans les matériaux, dans les systèmes aussi, qui sont des exemples un peu complexes de ce que la nature nous procure comme élément de référence. Donc, ce que nous avons créé à partir de ce constat et de cette observation qui a déclenché cette envie de faire du biomimétisme au Fénois, c'est que finalement, le Fénois est un lieu magique et un lieu où le mana, que vous connaissez tous, est très présent et très marquant. Eh bien, c'est un lieu juste évident. Ça a été un peu mon constat et celui des amis avec qui nous avons monté cet institut. Où finalement nous pouvons développer des explorations de la nature. C'est ce que nous proposons sous forme de demi-journée ou de journée complète ou 2 ou 3 jours, où nous allons vous apprendre, vous partager un peu ces façons d'observer la nature, cette méthode qui nous permet de faire en permanence le lien entre ces fonctions un peu étonnantes qu'on observe dans un écosystème et les raisons pour lesquelles ces fonctions se sont développées. On va regarder l'écosystème dans sa globalité et les espèces, essayer de comprendre pourquoi ces espèces ont développé telle ou telle fonction. Et ce sont en fait ces fonctions-là qui vont nous permettre de reconstruire un petit peu toutes les innovations qui nous entourent, et cette fois en s'inspirant de la nature et en s'inspirant aussi des principes de vie qui ont été à l'origine de cette évolution de ces espèces vivantes. Donc c'est un petit peu ma vision que je partage souvent sous le terme d'économie, où finalement, l'écologie n'est plus vue comme une contrainte, comme quelque chose que les industriels ou les créateurs doivent faire avec ou voire contre parfois. L'idée du biomimétisme, c'est que l'écologie devient une fondation elle-même, devient un moteur, une énergie pour créer des nouvelles façons de justement designer, de créer des procédés, de créer de l'énergie, aussi d'organiser les choses. Donc c'est vraiment cet esprit de
de fondation pour créer une autre vision. Merci beaucoup. À retenir, on en revient un petit peu à notre mot du départ, inspirer. C'est bien de ça dont il s'agit avec le biomimétisme. Merci beaucoup, François. Notre prochaine invitée, c'est une enfant aussi du fait noir, à l'instar de Moana, et puis elle nous vient d'un archipel de la Polynésie française, à savoir les Australes, une petite île en particulier, l'île de Rapa. Suite à son cursus universitaire, eh bien, elle nous revient en force et elle va vous expliquer pourquoi, entre biologie, botanique et également culture, Tiffany, s'il te plaît, dis-nous en plus sur le mode de vie de Rapa. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Alors, isolation, respect, communauté, esprit de famille et transmission. Ce sont un peu les choses dont je vais vous parler aujourd'hui concernant Rapa. Alors, Rapa, c'est l'île la plus au sud de la Polynésie française. C'est une toute petite île de 40 km² avec 500 habitants et beaucoup d'animaux. Alors, je disais isolation, pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de piste d'aéroport. Il y a un bateau qui va là-bas, c'est un cargo, il s'appelle le Tuhape et qui descend tous les deux mois. Et à l'époque de mes grands-parents, donc il allait là-bas tous les 6 mois à peu près. Donc voyez un peu pourquoi je vous parle d'isolation. Et donc cette isolation, quelque part, a fait renforcer en fait les liens avec la famille. Et se sont développés en fait et renforcés cet esprit que j'appelle de communauté et de partage. C'est un peu en fait ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec ce confinement et le Covid où on voit en fait ces élans-là de solidarité. Donc pour vous montrer un peu cet esprit de famille et de communauté, je vais vous parler en fait d'une anecdote. Donc mon grand-père, à chaque fois qu'il venait en fait tous les 6 mois à la maison, il nous demandait à chaque fois si on avait assez de poissons, assez de taro, en fait si on avait assez à manger. Et à chaque fois que moi je descendais à Rapa et que je revenais à Tahiti, toujours mon grand-père ou bien mes tontons, ils me demandaient en fait si j'avais assez à manger pour amener à Tahiti. Ils avaient peur que je meure de faim, que je sois maigre ou je sais pas. Mais en tout cas, cet élan en fait de communauté, elle est là, quoi. Et c'était pas seulement juste mon grand-parent ou mes oncles proches, c'était vraiment toute l'île qui me demandait si j'avais assez à manger pour quand je vais retourner à Rapa. Et donc, pareil, en fait, ces liens-là qui se sont renforcés, en fait, ont permis aussi de faire développer des systèmes qui sont adaptés à Rapa, comme le rahui, pour préserver les poissons, toujours dans cet esprit de communauté où on va tous pêcher et après, ce sera redistribué à la communauté. Il y a le système du tohito aussi. Alors, pareil, ça a été pensé pour la communauté et pour justement redistribuer plus ou moins équitablement les terres de Rapa aux habitants de Rapa. Il y avait le turara ore aussi. En fait, c'est une pêche traditionnelle, un peu comme la pêche au caillou, mais made in Rapa. Pareil, ça se faisait en communauté. Le koturati, c'est les racines de thym qu'on allait chercher pour extraire de la mélasse, pour sucrer le café. Ça se faisait en communauté aussi. Donc, les mariages en communauté aussi. Et à l'époque, c'était des mariages où c'était plusieurs familles qui se mariaient le même jour. Donc, on va au fapu ensemble, on va à la taraudière ensemble, on va à la pêche ensemble, on chasse les bœufs, les chèvres ensemble, on fait notre pain ensemble. Donc, tout ça dans la joie et la bonne humeur, à la Rapa, comme les gens ils le disent. Et donc, c'est ce que moi, en fait, j'essaie de faire à travers mon association. Donc, l'association que je préside. Et en fait, on mène des actions environnementales, que ce soit sur le terrestre ou sur le marin. Ben, j'essaie en fait de toujours à travers ce mode de vie, en fait, cet esprit communautaire, de faire des actions communautaires pour en fait la communauté, pour Rapa, et aussi de transmettre à travers les actions en fait des savoirs traditionnels. Donc transmettre auprès des jeunes ou transmettre auprès des gens qui veulent savoir ou qui n'ont pas eu un certain savoir à un certain temps. Et donc, c'est comme ça, en fait, que ça se passe actuellement. Et c'est pour ça, en fait, que je n'étais pas vraiment étonnée qu'ils réagissent comme ça face à ce confinement. Parce qu'en fait, ben, ils ont été entraînés avec cet isolement, quelque part.
Et donc, pour résumer tout ça, en fait, moi, je dirais que, voilà, Arapa, c'est... ouais, c'est on ne peut pas vivre sans l'autre et on ne peut pas vivre sans respecter son environnement. Donc, je terminerai juste par le poème de Trura Poto qui disait « Eta utamahine, eta utamaiti, ahi oi nia, ahi oi raro, ahi oi tai, ahi oi yuta, ahi oi te topara aotera, ahi oi te hitira aotera. Erato oi fenua, nato oi tupunai vaiho mai. No oi. Tomia maitaki, voilà, nana. Maruru. Maruru, merci pour ces belles paroles de Turo. On enchaîne tout de suite avec Jonathan. Jonathan qui a une idée et ensuite de présider un très beau projet à travers une association qui s'appelle Un enfant, un arbre, un corail. Et c'est de cela dont il s'agit maintenant avec mon ami Jonathan McKittrick. Merci Pascal, merci Fenua Makers de nous avoir laissé la parole. Donc voilà, je m'appelle Jonathan McKittrick. Donc il y a un an, nous avons créé avec un groupe d'amis l'association Un enfant, un arbre, un corail. Et voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Que faisons-nous? Donc c'est simple. Nous avons eu l'idée d'offrir un arbre ou un corail à chaque enfant polynésien qui va naître et de préserver ces arbres et ces coraux dans le long terme. C'est-à-dire qu'il suffit pas de les planter et de les laisser. Il faut s'en occuper. Pourquoi? Alors, il s'agit de préserver une tradition polynésienne qui est celle du poufénois, donc qui consiste à lier chaque enfant qui naît à un arbre en enterrant son placenta avec l'arbre, voilà. Ou en le déposant à la mer, à l'océan. Voilà, nous faisons ça aussi pour des raisons écologiques, bien sûr, puisque on connaît les bienfaits des arbres, donc pour la thermorégulation, pour combattre l'érosion et que c'est un abri pour la biodiversité comme les coraux. Donc, c'est pour sauvegarder la nature. D'un côté, la tradition, d'un autre côté, la nature, ça allie les deux. Voilà. Donc, comment on fait? Comment on met tout ça en œuvre? Alors, pour le corail, pour l'instant, on est une trop petite association. On ne s'en occupe pas encore. On préfère orienter les parents qui voudraient un corail pour leur enfant vers les associations déjà spécialisées, donc Tamaki Point des Pêcheurs, Coral Gardner et Pepe Noteora. Donc, les arbres, on nous a prêté 1000 mètres carrés. Donc, c'est la famille Elakot, c'est Déborah Kimindete qui nous a donné 1000 mètres carrés mis à disposition pour pouvoir installer notre pépinière et faire pousser nos arbres. Et voilà. Donc, tous les samedis matins depuis un an, on est à la pépinière, on construit, on rempote, on va chercher la terre, on récolte des graines, on fait germer. Et on a déjà eu à peu près 200 arbres. Bon, c'est encore petit, mais ça va le faire. Voilà. Donc, une fois qu'avec les bénévoles, que je tiens à remercier nos bénévoles, les membres de l'association, les membres du bureau qui nous ont permis de continuer cette action, parce que personne ne fait, alors on fait nous. Hein, voilà. Donc, les arbres. Une fois qu'on fait pousser les arbres à la pépinière, ils atteignent une certaine taille et entre nous, entre le groupe qui s'en occupe, on dit, ben, il y en a une dizaine à donner ou une vingtaine qui sont prêts. Donc, comment on les distribue? Donc, on a noué un contact avec l'hôpital du Taoné, le service maternité, où une fois que les femmes ont accouché de leur enfant, on leur fait passer une feuille tournante avec les arbres qu'on a en stock, les arbres disponibles et lequel ils voudraient avoir. Donc, ils remplissent nom, prénom, tout ça. Et nous, on reçoit la feuille et on livre le week-end, samedi ou dimanche, directement à l'hôpital. Les parents, ils récupèrent l'arbre, on prend une photo et tout le monde est content, ils plantent l'arbre chez eux. Donc, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Polynésiens, de jeunes couples qui n'ont pas de terrain pour planter. Et c'est là qu'il faut préserver cette tradition. Voilà, il nous faudrait un terrain pour que tous ceux qui n'ont pas de terre, ils puissent planter sur ce jardin partagé où, voilà, les bénévoles viendraient s'occuper, les familles, les parents, pour que on puisse sauver ces arbres. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils plantent des arbres et dans 5 ans, il y a la route qui passe par là, le fil électrique, les parents, ils vendent le terrain ou
on ne sait pas ce qui va arriver en fait de ces arbres. Et tous les arbres qu'il y a là au bord de la route, les manguiers de 50 ans, de 100 ans, c'est nos anciens qui ont planté. Ils ont pensé à nous. Et aujourd'hui, nous, on pense qu'à tout raser, couper les cocotiers. Ah, ça gêne mon parking, les fruits, ça tombe sur mon truc. Non, mais il faut arrêter. Arrêter de couper les arbres. Il faut en planter. Tout le monde parle d'écologie, machin. Allez, les gars, on est planté là. Voilà. Donc, si vous êtes motivés, le samedi matin, on est au numéro 68 de Papéroué, donc début Paria. Vous pouvez venir nous aider. Sinon, on a notre page Facebook. Voilà, un enfant à Nawakorel. Merci beaucoup, Nana. Super, super. Merci, Jonathan, pour ce beau message et pour pouvoir raviver cette tradition polynésienne, pouvoir la conserver et la faire perdurer, c'est super. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des intervenants dans toutes les différentes thématiques pour leur partage d'expériences juste extraordinaires. Merci de nous avoir donné un petit peu plus de votre savoir, de vos connaissances, mais surtout de nous les avoir partagées. Énorme, énorme, énorme merci. Un grand marulu à vous tous. Marulu à tous les intervenants. Merci. Merci.